c'est Jean-Bert Philippe. Autorité a dans état Maryland, l'autorité a enquêté sur bateau cargo qui crasé un pont dans Baltimore état Maryland. Dans moment c'est qu'ils ont récupéré deux cadavres pour Vivity. Administration américaine a apporté une victoire partielle après un coup d'appel dans New Orleans bloqué provisoirement loi controversée état Texas sur immigration. Depuis en Haïti, crispé y a traversé depuis quelque temps, semble sur route pour joindre une solution. Après conseil présidentiel a annoncé, il y a travail pour finaliser installation yo avec nomination du président. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de qui côté ou attendre et puis regarder en même temps vidéo ça. Déjà, bienvenue en l'autre fois encore sur channel là pour une nouvelle vidéo spéciale La Voix de l'Amérique que nous portons pour aujourd'hui. Là. Maintenant, quelques autres points que nous avons pour nous développer dans l'édition La Voix de l'Amérique, ça nous faut qu'on ait Pierre Addison lui-même qui c'est une origine libanais, et bien, il a kidnappé dans le pays d'Haïti. Et bien, monsieur, pendant le temps, il a fait interview avec Barbecue, côté où déjà exigé, il a fait des 600 000 dollars pour être capable de payer pour la origine libanaise. Ça, lui-même qui était pile sur là, il y a une façon pour être capable de faire interview. On a appelé monsieur, lui-même, c'est un YouTuber qui a kidnappé. Il a venu avec tout détail pour. Il a pile. Possibilité pour conseil présidentiel là les mêmes l'état installé 8 avril qui vient là dans le pays d'Haïti bagay nous pour connait qui bon la passer mais c'est ça qu'a parlé SPNH 17 et bien yo publié une note là de clergé Louis Snell qui c'est un policier qui n'a venu avec tout détail ça pour tout et bien je dis à là qui fait 37 l'année depuis peuple haïtien eux-mêmes yo t'ai choisi démocratie comme mode gouvernance à travers constitution 29 mars 1987 là et bien pourquoi il est là nous toujours aller plus bas n'a pas connait et bien MEF lui-même lui décide de prolonger inscription obligatoire en ligne pour élèves avec enseignants jusqu'à date cap 12 avril 2024 là cap vini pour ça cap l'autre que nous voter pour mais n'a quitté dans VO Creole là et n'a retourner dans titre qui va trop long pour nous voter reste détail 2024 Jacques Belizer pour un petit congé bien mérité pour capable reposer et justement recharger batterie encore pour capable retourner venir frapper avec nous encore ici actualité amène nous directement dans état Maryland parce que dans la ville Baltimore côté un bateau cargo t'es crasé ça il y a longtemps il y a un pont et sous état sera le maire pour plus de détails. Enquêteurs ont commencé à collectionner preuves dans bateau cargo qui était frappé pont Francis Scott Key Baltimore là et puis fait effondrer. Pendant ce temps, Daiva a cherché dans l'eau 6 travailleurs construction qui t'a travaillé sous pont hein, leur était plongé descendre dans rivière. Autorités ont joint 2 cadavres victimes mercredi, yo présumé ratio mouri. Westmore, c'est gouverneur état Maryland. Today is an important day. It's important that we also acknowledge the moment that we find ourselves in. Dizi jodi a c'est un jour important. Faut nous reconnaître moment n'a traversé a. Et puis jodi a n'a pensé à famille d'Orlian, Castillo, Cabrera, ak Minor Yassir, Soiso, Sandoval que nous joignent et puis identifié hier. Nous la prier pour famille, ak famille toute victime effondrement pont Kila. Que nous avec famille. Nous chagrin en pile pour tragédie ça. Victimes yo c'est mon Mexique, Guatemala, Honduras ak Salvador d'après ça autorité ou fait connaître. Minor Yassir, Soiso Sandoval, 39 ans, c'était petit pis jeune parmi 8 timoun famili. Lisemoun Asakualpa, ou bouc nomon Honduras, tout près frontière Guatemala. Sa gen 18 ans de ça, l'ital États-Unis pour chercher opportunité. Li était entré aux États-Unis illégalement et puis tabli coli dans l'État Maryland, côté éventuellement l'ité l'ouvrir au business avec Frelio. Martin Soiso Sandoval fait connaît mercredi. Li décrit Freli tant qu'un nègre qui était fun au business et puis travail dur. Il faut un pilar fondamental, un bastion para que otras personas de la familia también pudieran viajar hacia allá y l'utilité un poto mitan fondamental famille qui te permet même famille en voyager États-Unis joindre visa toute bagaille c'est lui même qui te gère tout voyage pour majorité famille Sandoval dit c'est un grand matin il était après nouvel accident non sabía nadar y tenemos fe de que pudo haber salido a cualquier parte. Il dit femme te qu'on nager et nous gain espoir que l'étape capable sauver tête li mais n'a pas nouvelle officielle yo sous ça qui t'est passé exactement. Monsieur dit toute famille en dévastée surtout maman li gain 3 mexicains qui étaient sous pont l'autre était tombé à parmi yo une qui était blessé avec 2 autres qui disparaissent. Ministère affaires étrangères Guatemala a confirmé que gain 2 citoyens li qui étaient parmi moun qui disparaissent sous pont. Ministère affaires étrangères Salvador Alejandra Gil Tinoco publie un message sur réseau X mercredi côté li dit yo citoyen Salvador Miguel Luna t'es parmi les travailleurs qui disparaissent. Pendant ce temps, dans Baltimore, citoyens yo a essayé gérer gros choc yo prend par rapport avec un moyen de transport clé que yo kon utilise chaque jour. Désastre à la cause pour Baltimore là ferme tout, ça qui gagne gros impact économique sur tout le monde qui servit avec. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité a mené nous dans la ville de Genève, en Suisse, côté responsable des Nations Unies pour droits humains, Nations Unies pour Haïti, et bien présenté un tableau sombre sur la situation des droits humains dans la nation Caraïbe, là, par Léo Saint-Louis depuis New York.
The situation in Haiti is cataclysmic. Volker Turk, qui c'est haut commissionnaire Nations Unies pour les droits de l'homme, t'a dit dans une déclaration qu'elle t'a fait depuis Genève, pays la Suisse, que Haïti dans une situation cataclysmique. Situation des autres chaotiques, la cap crasé quand quel pays d'Haïti a vint cataclysmique, avec plus passé 1500 monde qui mourit en bas violence gangue jusqu'à présent à Nessa, avec plus d'âmes qui a entré dans le pays. Selon ça, Nations Unies t'a dit jeudi 28 mars, là, dans un nouveau rapport, Bureau de l'homme Nations Unies sorti, il y détaille comment corruption, impunité et mauvaise gouvernance vient aggraver et puis augmenter niveau violence gangue qui affaiblit état de droit et puis effondrer presque toute institution l'État. Bureau des Nations Unies pour droit moun yo t'est déterminé que violence gang yo t'est fait 4451 victimes, moun qui mouri avec une autre quantité 1668 moun qui blessé pour année passée. Et puis juste dans 3 premiers mois année 2024 seulement, rivé jusqu'à date 22 mars là, 1554 moun t'est mouri avec 826 moun blessé selon sa rapport t'est dit. Rapport t'est décrit violence sexuelle qui a augmenté tant que force et femme dans relation sexuelle, exploitation par membre gang yo, viol et kidnapping qui fait sous femme yo après que yo t'est ouais gang yo touyer mari yo devant. Volkerter t'est metté accent sur recrutement et abus que gang yo fait sous timoun yo, que ces garçons soient tifi, yo même yo vinn pas capable quitter groupe gang yo parce que yo peur pour gang yo pas faire revanche sous yo. Haut commissionnaire des Nations Unies pour droit moun Volkerter t'est dit all these practices are outrageous. Toute pratique ça yo exorbitant et yo doit suspendre une fois pour toutes. Rapport Nations Unies en longe doit tout sous ça yo relé brigade autodéfense là que population yo était metté campé pour contrecarrer violence gang yo cap intensifié. Il y avait dit que moun yo a continué bay propre tête yo justice. Au moins 528 cas en charge bois qualité rapporté année passée. Parmi yo 18 femmes d'après rapport. Et pour année ça jusqu'à présent, yo était rapporté plus passé 59 bois calé pour année ça. Malgré un embargo d'armes international qui était mis en place pour essayer d'empêcher violence dans le pays, le rapport a dit que il y a toujours une grosse circulation d'armes et munitions qui a déroulé à travers frontières pays d'Haïti. Le commissionnaire des Nations Unies pour droit moun yo t'a demandé pour contrôle national et international la plus serré pour empêcher trafic d'armes et munitions entrer et puis continuer à créer conflit dans le pays. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in. I appeal for a more effective. Les choquants que malgré situation terrible sous terrain, ZAM continue à vider dans le pays. Moi fait appel pour une application plus efficace dans embargo ZAM. Rapport a parlé tout de nécessité pour déploiement urgent une mission CIPO sécurité multinationale pour aider police pays d'Haïti à couper violence et puis protéger population. Rapport Bureau Nations Unies pour droit moun yo te dit que améliorer sécurité a pour contre pas d'apporter une solution durable, mais il mettait accent tout sous nécessité pour faire bon politique qui visait rétablir état de droit dans le pays. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis, pas oublier partager nouvelle avec Zami, on famille, on peut capable même tout connaître ça qui passe exactement pas seulement dans le pays d'Haïti mais tout dans le monde. Nous pour aller dans prévisionnaire pour aller dans le pays d'Haïti côté conseil présidentiel là, fait appel à l'unité dans l'idée pour résoudre crise et pays à traverser depuis quelque temps déjà Yves Manuel. Conseil présidentiel là informé à travers un communiqué limité d'ailleurs la travail dans l'idée pour le prendre fonction officiellement. Cependant, n'est pas avancé en quelle date pour ça fait dès que nous fin installer n'a travaillé pour nommer un premier ministre et n'a formé un gouvernement union nationale de massa visé restaurer légitimité démocratie, stabilité et dignité pays, selon sa conseil fait qu'on est dans le communiqué. Conseil présidentiel l'a précisé, l'a préparé le tout pour installation en fait officiellement. Critères et mécanismes déjà élaboré pour choisir président ou président de conseil, et puis tout pour nommer un premier ministre et cabinet ministériel. Ensemble, n'a exécuté un plan clair pour rétablir l'ordre et démocratie. Ça passait par renforcement sécurité citoyen, soulagement misère peuple. Nous parler tout vers élection libre cap accompagner de réformes qui nécessaire pour faire pays progresser selon ça document fait qu'on est. Conseil présidentiel là a finalisé actuellement un document qui baille détails sur organisation et fonctionnement et gain là-dedans tout un accord politique selon représentants différents blocs yo qui signe document ça à l'exception de représentante rien Régine Abraham. Enfin, conseil là qui dit conscient de ampleur crise là fait appel à unité nationale une façon pour travailler pour rétablir un climat la paix en dans pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. N'a toujours été dans Port-au-Prince côté directeur police nationale là France RB mandé policier yo kembe jam nan lutte ap mené contre nèg amé identifié comme bandi Renan Toussaint. D'après une vidéo qui publiée sur page Facebook officielle la police nationale d'Haïti, directeur général institution France RB fait état différent attaque bâtiment qui logé police nationale là subi en bas mais présumé bandi armé plusieurs milliers moun bande armé fait courir qui décaille yo à quantité bien public à privé bandi pillé. DGPNH l'entente mettre population haïtienne en confiance face à toute dérive sa yo. La situation difficile ça que nèg exam a tout acolyte yo mette nous la police vinn di nous li campé ferme ak nous et li comprenne problème ak tête chargé que n'a traversé ya. La police a vinn di population c'est résistance li qui bal force à courage pour continuer bataille pour nous ka tourner dans quartier nous et dans mitan famille nous. Pendant ce temps, commandant en chef la police là salue travail policier yo li estimé qui pas arrêté bras croisés devant action bandi yo et mandé yo continuer goumen pour rétablir l'ordre et sécurité sur territoire national. La police a vraiment poursuivre opération yo la journée pour la nuit. C'est peut-être ça tout. Commandement pape Jean suspend faire louange
pour courage et détermination des policiers vaillants. Qui te respecte les consignes de débat. Et qui capte Jem, l'engouement pour la paix retourner. La journée pour la nuit, pour ne pas quitter le pays à tomber dans les bandits criminels. Commandement a profité, dit frère actuel policier, que me ferme pas la guerre. Parce que j'ai force à yo provoquer un pile admiration et à satisfaction dans la population à court commandement. Déclaration DGPNH, la France LB, venue dans le moment côté président américain Joe Biden autorisé secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le voyer par la police nationale d'Haïti 10 millions de dollars américains cap sorti dans le ministère de sécurité intérieure États-Unis. Wena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Alors, on dit que l'agence a pour servir pour acheter des armes avec munitions pour la police nationale, capable de continuer la bataille à mener contre la gang armée. Dans l'autre nouvelle, Dr. Fritz Bisseret, leader congrès, voilà maintenant, lui-même qui t'a pris une question, collaborateur nous, Jacques Mélisier, mais lui-même lui dit qui façon que même lui était quoi, ou bien qui démarche quoi, transition est capable d'entreprendre pour y réussir. Nous croyons que pour la réussite, n'est-ce pas, d'une transition, pour une transition et qui réussit, nous parler de l'inclusion. Il faut que le dialogue se fasse avec tous les secteurs. Et il faut que nous arrivions à un pacte, n'est-ce pas, à ça nous avons un protocole de paix. Nous rencontrons un pile secteur international côté de la même situation, ça y est. Nous garder comment ils ont résolu, que ce soit en Afrique ou bien en Amérique du Sud. Et nous prenons tout document, ça, nous travaillons sur eux. Et nous prenons des contacts également, à travers, soit directement à travers des intermédiaires, avec les nouveaux acteurs de la crise, qui ont mes réalités. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous pensons qu'il y a un pile monde qui a une pile ambition. Mais il faut que chaque monde connaisse qui côté est capable de placer dans nos structures, sur nos échiquiers. Il faut avoir, non pas des chevilles carrées dans des trous, mais pour avoir, n'est-ce pas, de right person in the right place. C'est-à-dire les chevilles carrées dans les trous carrés et les chevilles rondes dans les trous ronds. Donc voilà pourquoi nous pensons que dans ce dialogue permanent que nous avons fait avec, n'est-ce pas, tous les secteurs, nous demandons de prendre conscience de la situation. Parce que ce qui manque, du manière générale auprès de ces acteurs, c'est l'amour du pays. Parce que qui s'acrive? Pas pourquoi qu'on pense que ça qu'a fait actuellement dans le pays là, c'est un simple hasard. Que c'est une forme de destruction qu'a fait yo, que c'est un bagage qu'a fait yo. Il y a pas un bagage qu'a fait au hasard. Et nous pas naïfs, nous comprenons très bien ça qu'a fait là. Voilà pourquoi nous autres, nous rencontrons, n'est-ce pas, des mondes, nous pas seulement contenter nous de faire des analyses, de faire des lectures, mais nous essayer le maximum de données possibles pour nous capable dire qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, d'avoir dans ce pays ce que nous appelons un pacte ou bien encore un protocole de paix, n'est-ce pas, et que nous capable arriver à faire monde prendre conscience. Parce que yo ouais déjà et que ceux-là qui sont des valets, qui ont toujours été des instruments utilisés, n'est-ce pas, par l'international, lorsque nous pas capables des exemples, nous pas contenter seulement de parler des exemples de ça qui passait dans les pays étrangers, comment ils utilisaient, comment servir avec eux après, mais nous parler des exemples récents dans notre histoire de monde qui était toujours pensé que parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, de colons, parce qu'ils sont au service de l'étranger, eh bien ils sont bien gardés. Nouvelle concernant l'immigration, et bien l'administration Biden a emporté une victoire partielle après un tribunal dans l'État de Louisiane, parce qu'il y a une Nouvelle-Orléans, et bien prend une décision pour bloquer la loi controversée État de Texas pour limiter l'application sur l'immigration. Un coup d'appel États-Unis dans Nouvelle-Orléans bloqué tentative État de Texas fait pour appliquer une loi immigration controversée. Loi qui est le SB4 considéré comme criminel immigrant qui est rentré illégalement dans l'État de Texas et bien juge au pouvoir pour déporter immigrants avec possibilité pour y passer jusqu'à 20 ans en prison si vous parlez au tempéré. Edna Young, co-directeur groupe American Gateways, déclaré proposition inconstitutionnelle ça pas dérivé dans point ça. N'attend pour tribunal bloquer définitivement pour capable continuer discuter sur solution politique réelle. Loi SB4 là, ils ont juste bloqué en février à faire face avec une série de défis légaux, malgré que le suprême n'a brièvement te permettre d'entrer en application. Mais après une révision approfondie, tribunal coup d'appel là avec deux voix pour, ils ont compte empêcher d'entrer en application en attendant d'étendre des positions parties concernées au 3 avril qui vient là. Quelques officiels locaux dans l'État Texas déclaré ils ont douté sur l'impact loi t'a capable gagner, même si tribunal a accepté d'entrer en application. Skylar Hearn, directeur exécutif association Sheriff État Texas, parlait pour dire loi pas après le porter changement sous frontière à cause de soucis qui pas assez. Chaque monde a fait ça au capable de dire. Heureusement, le gouvernement fédéral là a fait partie pâle dans la plus forte zone frontalière. L'administration Biden a plaidé pour dire que la loi Texas là empiété sous droit exclusif du gouvernement fédéral a gagné pour appliquer la loi complexe immigration. Les États-Unis établissent procédure pour déportation et puis permettre aux immigrants d'appliquer pour asile à l'ordre et statut légal. Immigration avec sécurité sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, c'est un sujet important dans la campagne électorale, élection 5 novembre, entre président démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Quelques-uns d'autres points qui ont dominé l'actualité avec Marie-Louise Pierre.
Organisation Médecins du Monde là, t'es visité monde qui était dans camp déplacé au dans lycée des jeunes filles dans capitale haïtienne dans Port-au-Prince, mardi 26 mars là, dans moment avenue politique PIA, dans un impasse à gang armé qui gagne plus contrôle sous villa à plus loin toujours. Et au tribunal, t'es empêché tentative d'exercice fait pour l'appliquer une loi qui t'est soulevée en pile parole en pile pour arrêter mon suspect qui t'est traversé frontière États-Unis avec Mexique illégalement. Mercredi 27 mars passé, il y a mené un petit monde petit, palestinien, qui a gagné 2 mois, qui a souffert avec malnutrition grave dans l'hôpital Kamal Adwan, dans Nord-Gaza. Il y a un rapport aux Nations Unies qui a appuyé moi ça, et il a fait grand goût frappant, et il y a une pile chance pour arriver dans le mois Mea, dans Nord-Gaza. Merci, Marlis Pierre. Dans notre cadre de l'actualité, nous parler dans la ville Cap-Haïtien, côté, et malgré un petit problème, il y a confronté, mais l'hôpital Université Justinien, dans la ville Cap-Haïtien, continue à pourvoir le service tri. On a jeune Gérard Maxino pour plus de détails. Malgré difficulté la fait face à lui, l'hôpital universitaire Justinien dans ville Cap-Haïtien continue l'ouvrir pour recevoir population grenoise qui vient chercher soins la santé. Directeur exécutif de l'hôpital là, docteur Jean-Jeto Dubé a expliqué quelques difficultés il a rencontré. Normalement et l'hôpital là depuis quelques temps travaille 24 sur 24 et bon médecin assez motivé, tout staff là assez motivé malgré comme si manque de moyens qui gagne yo. Je pense que les urgences qui arrivent jusqu'à présent, pendant toute période, là, nous répondons à eux-mêmes. Et les urgences en général, les urgences médicales, les urgences chirurgicales aussi, et les urgences de césarienne aussi, et les pédiatriens, même pas les parler, depuis quelques temps, les pédiatriens sont full à 100%. Donc, en d'autres termes, et relativement, je pense que nous avons un rythme croissant malgré tout problème qui gagne. L'hôpital là, selon le responsable, a fait face, dernier temps, ça y est, à gros problèmes économiques à cause du PIA qui s'en s'est loc. Directeur exécutif a expliqué qu'il y a une grosse difficulté pour jouer les médicaments qui sont sortis de la Port-au-Prince. Maintenant, nous venons au contexte, comme si nous avons une forme de pays loc, parce que nous sommes bloqués. Donc ça veut dire que tout produit est sorti de Port-au-Prince. Nous avons effectivement des problèmes comme si pour nous approvisionner nous, et en entrant, qui viennent déjà des problèmes comme si connus du financement. Mais comme je répète encore, jusqu'à présent, malgré tout problème, l'hôpital a fait tout ça capable pour faire face à la responsabilité de la mission. L'hôpital universitaire Justinien n'a pas de moyens pour acheter gaz pour Delco. C'est grâce à un système solaire tout neuf, il fait un gain qui permet de jouer une énergie électrique pour capable fonctionner. Nous avons un système solaire qui quimbe de tous les jours, nous faisons rationnement un petit peu le soir pour nous gérer l'urgence. Mais si nous n'avons pas un système solaire, je garantis que nous avons vraiment en difficulté parce que nous n'avons pas un carburant. Responsable a fait qu'on est dans un moment gros problème, il travaille dans la tête collée avec l'hôpital qui tout près, dans l'esprit coopération, yon aide l'autre pour résoudre une série de problèmes. C'est ça qui te permet de combattre le coronavirus et le choléra. Gemilo, gen quartier Morin, c'est deux autres hôpitaux quand même qui dans département et bon, on va parler de Pion qui sont là mais on va parler de l'hôpital qui près, l'hôpital Justinien. Tout l'hôpital ça quand même travaille et dans le moment de crise, on était fait le Covid là déjà. Chaque fois ça arrivé en coordination pour nous faire face à des cas qui ta nécessité quand même que nous go référence une pour l'autre. Justinien qui dans centre ville au Cap, c'est pigo l'hôpital l'état dans département Nord. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. N'a prêté dans Grand Noir, côté la police gaya gaz lacrymogène, manifestation population 5 communes, dans Nord avec Nord-Est a fait compte raté ou bien raté et coin électrique. Nous voyons Jodelet, Junior Saint-Ville, depuis Ville Fort Liberté. En bas, invitation au regroupement des citoyens engagés de Trou du Nord qui gagnent nos jouets de l'Irecette, plusieurs centaines de citoyens qui sont sortis dans 5 communes, département Nord et Nord-Est, qui c'est Limonade, Trou du Nord, Caracol, Terrier Rouge et Sainte-Suzanne, manifestés à hier mercredi 27 mars 2024 là, dans Ville Trou du Nord à Caracol. Contre responsable compagnie courant électrique Enrica qui n'a pas industriel Caracol là parce que d'après ça yo dit yo changé horaire distribution courant qui était 24 sur 24 qui passait connait là à seulement 3 heures de temps. Et un petit temps après, la police qui t'a sécurisé manifestation a utilisé gaz lacrymogène pour te gayer foule là qui était gonflé devant portail principal parc industriel Caracol. La police c'est direct Enrica qui l'enjaque yo fait ça. C'est pas premier jour nous venir devant là, nous pas faire des ordres. Police yo pas des droits à tirer barrière sur nous, à pour gaz sur nous. Nous dit que ça a pas un état tout temps pas des courant 24 sur 24 pas capable fonctionner. Objectif nous après-midi c'est pour nous lancer un message clair, bye, monsieur qui nous tête NRK. Les USAID tap géré pour NRK, nous t'es comme des courants 24 sur 24. Depuis monsieur ça, il prend tête NRK, pas des courants, ça fait courant pas gain. Nous balis jusqu'à demain si Dieu veut. Nous balis jusqu'à demain si Dieu veut pour retourner courant 24 sur 24. Nous même au niveau tout du Nord, Caracol, Sainte-Suzanne, Limonade, Terre Rouge, nous dit tout autant NRK pas retourner sous décision. Pour ben nous courant, Jean Déa, d'après tout béton là, et n'a pas pêché par industrie la fonctionner. Après manifestation, si là, sans printemps, responsable compagnie électrique Enrica yo fait sortir en note. La dalle, yo déclaré, et n'a pas cité.
Après confirmation que factory qui n'a pas industriel la pral suspend travail pour reste jour dans semaine ça, n'a informé au que ça a permettre nous augmenter quantité lait courant, sorti 7h à soir pour arriver minuit et demi, 5 temps à 30 minutes, commencer à soir 27 mars là. Augmentation ça a prêté pendant l'autre semaine dans tout, avec l'espoir premier cargaison gaz cap sorti Saint-Domingue arriver dans fin semaine là. Fin de citation. Dans notre là, responsable fait connait. Seule façon y a capable respecter nouveau horaire courant, c'est si on continue joindre gaz cap sorti en République Dominicaine. Yon dossier n'a suivre. Jodley Junior Saint-Ville, depuis zone industrielle Caracol, département Nord-Est, pour VOA Creole. C'est dans ce pour tout, une organisation dans Chicago, Illinois, offre cours anglais gratis pour immigrants, non seulement qui vivent dans la ville là, dans la ville de Chicago, mais dans la zone alentour. Nous avons une journaliste, Obed Lamy, pour plus de détails. Mandelé Dorette, c'est un jeune haïtien qui est dans 30 ans. Il débarque dans la zone Chicago en mois janvier avec un pile rêve dans la tête. Mais une première barrière qui monte sur lui, c'est la langue. Donc, quand vous avez un pays, on va parler pour le bébé. Et moi, il y a offert une opportunité, mais il y a une opportunité à tout, il faut parler la langue pour aller à l'école. Si je parle la langue, je ne peux pas faire. Mais Mandelé est déterminé pour changer la situation. Ça. Il y a peine inscrit dans un programme anglais qui fait spécialement pour les migrants haïtiens. Mon expérience dans le programme, là, c'est un test sur moi. Mon test n'a pas tellement mal que ça. Je suis dégagé, j'ai 25 questions. Je suis bon à tous les 25, après le résultat, et lundi. Il y a un monde qui vient avec l'idée pour mettre le programme ça sous pied, c'est Aline Lothur, une citoyenne qui travaille en pile avec les migrants haïtiens dans la zone. Bon, pour nous-mêmes, c'est la première fois que nous avons un cours d'anglais. Et English as a second language pour la communauté. Nécessité, c'est pour les gens, les familles qui font venir pour apprendre l'anglais, pour gérer la vie, avancer les études, pour travailler, pour comprendre des documents que y a besoin. Ça, c'est un gros bail pour les gens. Ils ont aussi un papier, ils ont un anglais, ils ne peuvent pas comprendre ça, y a besoin. Donc, ils sont obligés pour interpréter pour les gens. Et ce n'est pas seulement l'anglais. Il y a plusieurs autres nouveaux migrants haïtiens qui sont inscrits dans le programme anglais. Sari Chavan, professeur qui a fait cours anglais, a parlé quelques détails sur l'apprentissage pour le dérouler. Nous avons 19 personnes qui sont inscrits déjà, mais moi j'ai déjà anticipé que la majorité a, c'est en ligne que pour et fait classe parce qu'il y a une équipe même dans la localité là, il est très loin. Objectif là, nous commençons dès le début parce que nous avons assumé que ce n'est pas tout le monde qui parle anglais, mais nous allons travailler quand même à niveau monde à côté de faut que nous disions tout, étudiants haïtiens n'ont pas payé un goût pour prendre un cours anglais. Le programme s'est fait gratis grâce à une collaboration entre l'Organisation polonaise américaine et le Congrès haïtien américain. Le programme s'est fait des missions nous pour nous servir toute communauté immigrante à Chicago. D'ailleurs, j'aimerais apprendre ça, l'histoire haïtienne m'a rendu avec l'histoire de la Pologne. C'est ici tout dans la fin du 18e siècle, dans la période de la guerre pour l'indépendance. L'histoire rapportée était plusieurs soldats polonais qui ont marché derrière Napoléon et qui devaient décider de changer camp pour aller porter renfort plutôt par les haïtiens qui ont bataillé pour l'indépendance. L'important pour nous continuer à honorer l'héritage ça et surtout continuer à créer plus de liens entre haïtiens et polonais. Pour qu'on ait, Mandelé toujours à chercher travail pendant qu'il y a un cours anglais et espérer niveau anglais à améliorer dans un temps qui pas trop loin. Tant bien le programme, tant bien. Dans 6 mois, pour qu'on ait un cavalier là, on va faire une conversation normale à n'importe où. Obed Lamy, pouvez-vous à Creole depuis Chicago? Et bien, nous parlons en Orlando, Floride, côté nous parlons d'une correspondante, Yves Montpoumier. Vedette internationale, chanteuse allemande qui grandit dans la ville cap haïtien dans notre pays d'Haïti, Cornelia Chute alias Ticone, mandé haïtien dans tout le secteur en Haïti, tant qu'on en diaspora fait un seul pour retirer le pays d'Haïti dans une situation difficile à vivre, je ne veux dire, dans un palais avec VOA Creole, Ticone lance appel par les politiciens yo pour dire mettez à côté tout intérêt personnel dans la question l'argent à pouvoir, mais plutôt travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Mettez tête ensemble pour régler le problème, ça. Et puis, faut que. Il y a suspendu, tout le monde a essayé de faire comme et tout ça. Il y a l'autre valeur dans la vie, monde qui comptait plus, justement, pour aider l'autre monde, l'amour et tout ça, qui est beaucoup plus valable que l'argent et pouvoir. Et vedette là, qui chantait Haïti, n'a presque toute musique li, c'est avec cœur serré, avec un pile la peine, la vivre depuis pays l'Allemagne, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. On va qui serré comme un pile, et puis il y a des musiques tant pour sous le ciel d'Haïti. J'aime chanter, j'ai un pile d'émotions sous lui, mais je connais, il faut continuer à chanter parce que c'est ça qui fait mon continuer gon rêve que Haïti sa capable tourner. Ticone t'es parlé comme ça dans ville Orlando côté il t'es performé pour la première fois pendant week-end là devant même communauté haïtienne là. Yves mon premier VOA Creole ville Orlando. L'autre information que nous porter pour et ben nous parler directement dans dossier kidnapping. Et bien nèg yo font kidnapping là, kidnapping ça apparaît vraiment drôle et bizarre côté yo attaquer ou bien yo kidnapper yo fellow arabe lui-même qui gagne bon nom li qui c'est Addison Pierre Malouk lui-même qui est origine libanais yon moun en pile moun connaît sur réseaux sociaux yo et bien li kidnappé en Haïti pas nan yon l'autre groupe gang et bien
qui t'a assemblé lui-même pendant li t'a pralé en route pour t'a faire yon interview avec chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. Et bien d'après ça journal My Online lui-même li rapporté que yo mandé yon affaire de $600,000 pour t'a capable libérer journaliste là. Ça va être vraiment bizarre pendant li en route pour l'aller faire interview avec Barbecue. Et bien yo kidnappé et yo déjà mandé yon affaire de $600,000 pour li côté YouTube ça li même li pourquoi li là li déjà a passé un mauvais moment parce que famille là yo même yo déjà en caisse sauté c'est on qui gagne affaire de 1.42 million abonnés que li même li gagne sur YouTube côté kidnappé yo déjà yo mandé yon va les cop pour gang ça yo même yo ta libéré. Et bien YouTube si là li même qui t'a simplement al faire un interview avec Barbecue. Et bien yon l'autre chef gang li même qui considère comme plus puissant que Barbecue, et bien liquidapé. Est-ce que Barbecue coupable dans dossier ça? Et bien c'est gros question qu'a posé. Si toutefois Barbecue tout yon youtubeur ou bien n'importe monde d'après le fait yon interview avec nèg yo c'est gang tout gang yo di yo vivant ça, est-ce qu'il pas si posé réserver sécurité toutefois journaliste là ou bien youtubeur là pour nous capable bien dit pour te inviter n'importe gros acte qu'on s'arrive, eh bien Barbecue t'a semblé bon nous va connaître qui ça arrivé, mais ça qui vrai c'est que information publiée là que yo kidnappé youtubeur si là pendant lui-même il était en route pour faire interview avec Barbecue. Mes amis bagaille yo vraiment drôle, lui-même journaliste ou bien étranger qui t'a sous sol là cap mettre maillot, eh bien yo pas épané devant nèg exam ça yo côté yo même yo là y a boulé y a crasé pendant dernier jour ça yo là bagaille yo même yo vinn paraître changer phase dans pays d'Haïti. N'a faut qu'on ait un article clinique mobile by soins santé et puis distribuer médicaments by moun qui te quitté caillou yo même qui a vive dans camp yo. Organisation docteur li même docteur pour monde là te visiter moun qui quitté caillou et bien qui rete dans yon camp lycée des jeunes filles dans capitale pays d'Haïti et bien Port-au-Prince dans date qui était 26 mars 2024 là dans moment avenir politique et bien pays a li même li pendu à cause gang armé yo cap lagi contrôle yo sous ville là et qui t'a choisi rivé pi loin toujours reporté pour agence nouvelle ou te yo même yo te wè dans centre médical que médecin yo même yo tabli pour circonstance yon ling maman ak petit yo même qui te rien ti grand moun tout qui t'attend pour yo faire staff médical checker pour et bien et puis ba yo médicament prescription nan yon effort pour empêcher crise sociale là li même li pa ta vinn pi grave pour yo li la bagaille la continuer dégénérer yon côté bagaille yo même yo continue à malmener nan pays. Et bien moun sa yo ke journal hotel li même li publié ya, et bien c'est moun nèg exam yo même yo te fait yo couri kite kay yo nèg exam attaquer station la police avec aéroport international Toussaint Louverture là, ça qui la cause vol commercial suspend jusqu'à journée jeudi à sur territoire national. Organisation internationale yo te dit semaine passée a presque moitié nan pep haïtien ap lité pour yo manger pendant violence gang yo gaye nan tout pays ya ak plis des zones qui pourraient tomber dans grand goût. Inflation qui gagne dans pays avec mauvais récolte même yo tout poussé Haïti rentrer dans plus mauvais niveau insécurité alimentaire que pays même li pas chame connaît depuis lui même li existé. Leader régional yo a essayé former un conseil présidentiel après premier ministre Ariel Henry l'était pour mettre pour démissionner depuis yo formé yon conseil. Et bien mais pour qu'on y a PM nan li même li bloqué à l'étranger, li pas capable retourner dans pays ya après li te fin visiter Kenya pour discuter sur déploiement force mission multinationale là et bien sous pays d'Haïti. Et bien ça pas empêché insécurité à li même li continue la valer terrain, la fait tout ça qui te gen doit pas ta gen doit fait. Et bien c'est eux même qui valer terrain pour elle là nèg yo tombé a kidnapper journaliste. Et bien pour elle là son nèg li dit li pral bay Barbecue yon interview. Et bien yo kidnapper le saline bay yon pérez avec tout monde n'a pral pour Barbecue toujours aimer parler dans média pour bay détail pour bay ça l'a fait. Et bien yo t'a supposé
libérer youtubeur ça qui yo kidnappé qui t'a pralé dans interview avec barbecue pour aller la barbecue pas rien pour le dire que libération youtubeur là parce que yo fait connait yo fait vivre ensemble dans qui dit tout bandi qui était ennemi yo tout ami et bien youtubeur là lui-même li t'a libéré grand pile possibilité pour conseil présidentiel là li t'a installé jour cap 8 avril cap venir là dans une rencontre avec membre CARICOM yo et bien yo t'ai fait pendant journée jeudi à grand pile avance sous question nomination et eh bien qui posait fait officiellement semaine prochaine élection présidentielle conseil là lui-même et eh bien nèg même yo ta supposé fait une nomination officiellement semaine prochaine là qui vinn là élection présidentielle ou bien pour conseil présidentiel là lui-même l'a fait après selon ça conseil lui-même yo décidé fait pourquoi il est là pour que j'aime gagner qui clé dans dossier conseil présidentiel c'est là information n'a porté pour et eh bien c'est dans zone Miwale n'a faut connait et eh bien dans Miwale selon ça radio ou bien force info lui-même li t'a fait connait dans Miwale et eh bien autorité dans ville Miwale t'a posé la patte sur des présumés bandits eux même qui t'a pral acheter zam avec munitions sous frontière Elias Pigna là n'a parlé de Elias Pigna c'est pas ça ou pas c'est pas Miwale au fait Lasca ou bas pour monde qui pas connaît et bien ou pour l'op dans zone Belade c'est la frontière c'est là lui même lire selon déclaration yo t'a pour bandi dans Port-au-Prince et selon ça information fait qu'on est qui était gétant gain plusieurs dizaines de moun yo même qui était gétant à masquer koyo devant commissariat Miwale pour yo était capable essayer et bien mander la police pour laguer nèg sa yo nan pour te ka faire nèg yo tomber en bas mais et bien pour te capable ba yo affection mais pourquoi il est là nous pour ka confirmer aussi tout nèg sa yo passé en bas beka ou yo même yo pourquoi pendant nous nan Miwale n'a faut qu'on est mosek et même les remercier plusieurs dizaines de monde qui t'ai accompagné yo hier qui était 28 mars 2024 là dans quatre visites yo même yo t'ai annoncé que yo t'a pral fait pour t'al fournir jus regarder situation hydroélectrique là même dans barrage Pelig là et bien en même temps ça apporter revendication population miwalésienne nan cap connaît yon blackout et bien personne qui poukou jam capable fin comprendre que bien qui rationnellement presque complet depuis environ des mois que yo même yo pas capable joindre courant dans zone si là donc Mazarin Robinson respectivement les mêmes qui t'ai accompagné avec monsieur Jonas Pierre qui était dans tête délégation ça yo même yo partagé avec population à côté en pile espoir qui porté après visite yo même yo t'ai fait dans barrage hydroélectrique là dans pays elle là mon Miwale yo même côté qui pas ta droit jam ap sibi pour quoi et bien te gen gros ratement courant là qui gen yon a fait de 2 mois environ qui courant li pas passé bien dans zone si là et bien yo remercie toute population qui était campé dans levé campé que yo même yo te fait nous aller côté là dans ESPN 17 qui c'est syndicat de la police d'Haïti côté yo mette yon note de yo qui c'est note public que nous a montre sous écran là qui date Port-au-Prince 28 mars 2024 et bien en note si là que ESPN 17 te mette de yo a yo mette Port-au-Prince 28 mars 2024 note public cap policier clergé Louis Nel ESPN syndicat la police là lui-même li salier population haïtienne nan, la presse policier voyant cap travail sans aucune condition pour réunir pas même soins santé surtout pour si là eux même qui nan ville province SPNH 17 syndicat la police là a informé tout policier qui était relé avec écrit SPNH 17 sous dossier policier clergé Louis Nel qui sorti dans 14e promotion la police là policier ça lui-même qui était victime dans dernier tremblement de terre qui était passé dans ville au Kay côté Kay lui-même il était tombé sous lit selon information que nous recevoir c'est SPNH qui a parlé information nous recevoir à cause policier ça pas joindre soin de qualité négligence DDSPNH là lui-même qui pas prend cas policier ça en charge la cause situation vinn plus grave et bien journée jodi malgré policier malade grave au commandement PNH là abandonné le policier ça passé plusieurs mois sans lui-même li pas recevoir chèque avec ticket li l'agent ça qui te kon aidé prend soin famille et kembel en vie toujours malgré ça li pas jam utile col en rien dossier ça té acheminé by directeur personnel là qui c'est Étienne
Maurice, eh bien, gain suivi qui déjà fait sous lit. SPNH 17 a demandé au commandement DG France LB avec ingénieur Étienne qui c'est directeur personnel la police là pour non seulement policier lui-même lui continuer recevoir salaire avec ticket li mais faut que policier joigne soin car lui-même lui mérité s'il pas ca joigne soin ici là et bien lui doit partir aller Saint-Domingue ou bien Kiba pour sauver la vie policier à son vie policier ça yo même yo mérité bon gens encadrement santé les yo malade yo pas doit continuer abandonner dans moment difficile yo n'a dénoncé assurance fantôme au Fatma avec irresponsabilité service médico-social yo qui pas prend cas policier yo en charge la police là dirigé directement départemental yo même pas administré yo pas occupé affaires policiers qui en difficulté yon l'autre leadership c'est ça SPNH 17 a réclamé pour yon l'autre et puis bon police qui donc vive yon police sans discrimination avec violence droit santé personnel li yo vive Haïti vive PNH vive SPNH 17 Eh bien pour finir lettre là eh bien SPNH 17 mettez coordination SPNH 17 pourquoi il est là si policier à la ville en difficulté eh bien au commandement yo pas là pour bali soin li nécessité eh bien c'est syndicat police là les mêmes qui pour faire revendication c'est tout bon yo yo lagué policier des fois l'entendre PNH l'entendre grande police tomber dans gang eh bien des fois il connait gain raison malgré li pa valable pour policier ta lagé nan gang mais c'est vraiment maltraité nèg yo même y a maltraité policier ou grand pile là qui sacrifie vie pour pays a côté nèg yo vraiment a faible moyen que yo gagne yo campé goumé et bien yo ta supposé joindre soin nécessaire que yo même yo mérité si kay nèg la craser et bien li en difficulté chèque li pa dou coupé li pa dou pa joindre soin et bien plus passer quel que soit monde parce que c'est un policier que lui même li jodi a la li même li fait un affaire de 37 l'année depuis peuple haïtien yo même yo te choisi démocratie comme mode gouvernance à travers constitution 29 mars 1997 là qui donc 29 mars 1987 pardon avec jodi a la 29 mars 2024 ba yo a fait de 37 l'année après peuple là toujours attendre rêve bonnet rêve bien-être rêve vivre tant coup tout monde et bien l'a chercher depuis dig dans pour elle là transformer Haïti en un pays vivable ça veut dire yon l'autre Haïti qui démocratie stable solide li même li ta dou prospère et bien compétitif c'est yon c'est ça Joseph Privé li même li publié jodi a la malgré date si la qui déjà fait yon affaire de 37 l'année et bien moun yon même après Privé ta fin publié ça là et bien ça Privé joine pour pas parler et bien pas quoi Privé la prend chance pour le marché fait malgré des fois nèg yo fait yo et bien yo parli commentaire yo et bien yal en bas commentaire là yo fini avec Privé bien fini parmi yo gen yon qui fait connaître encore pour ta participer dans déstabiliser pays ya et bien pour kounya wap vin mande vie tan kou moun yo koui ak Privé yo gan pile tout qui dit parole qui vraiment boulé après Privé li même li te vini en forme li tap célébrer 37 ans que peuple haïtien yo même yo te choisi vivre nan démocratie malgré démocratie ya bon pile moun ki pa trop pote en pile fruit pour nous parce que et comme si ta dou nous plonger pi fond que jan nou te ya c'est toujours dernier gouvernement PM Ariel Henry là et bien même manifestation pas de fait immédiatement on prend la rue et bien gaz lacrymogène policier même yoté assassiné monde et bien pour en pile monde yoté ouais c'était un signe de dictateur mais qui pas de rien pour louer avec dossier démocratie de l'autre côté n'a faut qu'on est même li décider prolonger inscription obligatoire en ligne pour élèves avec enseignants yo date si là même cap 12 avril 2024 là même décider prolonger inscription obligatoire élève ça même c'est une façon bio communication ministère éducation nationale avec formation professionnelle là li même li annoncer inscription obligatoire en ligne pour élèves avec enseignants qui te doit camper depuis 15 mars qui sont passé à là et bien il est arrivé prolongé à ta 12 avril prochain qu'a venir la décision ça prend d'après responsable c'est dans l'idée pour avancer plus bien avec numérisation et digitalisation toutes données sous l'école dans pays à côté 17 618 l'école
et puis yon a fait de 1,811,123 élèves avec 61,669 professeurs gantan enregistrés pour année académique 2023-2024 là. Pour nous avancer plus bien avec numérisation avec digitalisation toutes données sous l'école yo dans pays, c'est ça MEP décidé renvoyer date là et bien jusqu'à 12 avril 2024 cap vini là, c'est date limite des bail pour yo même inscription en ligne là, liste formation classe élève yo avec liste professeur yo sur site internet MEP là. Et bien site c'est là lui même qui c'est www.mep.gouv.ht et bien qui était fixé dans date 15 mars 2024 là pour l'année académique la ministère en dedans notre si là te continuer pour les mêmes li dit même avec partenaire yo et bien pour continuer supporter l'école yo pour faciliter processus là surtout accent d'appel ministère et bien côté moun ka rele dans numéro sa yo numéro premier numéro qui c'est +509 44 68 43 75 deuxième numéro c'est 509 31 26 75 19 yon l'autre bon ministre éducation nationale la souligné pour lui dit décision prolonger inscription obligatoire en ligne nan li même c'est sous demande directeur l'école yo qui veut bénéficier yo yon dernier délai nan question enregistrement en ligne donc si toutefois l'école la pas ka marcher et bien c'est une bonne idée pour yo même yo ta rentrer là-dedans pour ta mettre en ligne nan côté li ta vraiment pi bon. Et bien dans l'autre bon ministère éducation nationale la souligné li dit décision pour l'inscription obligatoire en ligne c'est sous demande directeur l'école yo que lui-même livré yon dernier délai ministère éducation nationale avec formation professionnelle gantan joine information sur environ 50% nan élève yo qui déjà enregistré et puis automatiquement gagne numéro identification scolaire unique qui obligatoire pour inscription candidat l'école yo dans un examen l'état yo mais pour rappeler numéro identification scolaire unique là la garantant kou traçabilité parcours chaque élève ak étudiant sorti dans l'école préscolaire rivé dans université et puis tout facilité pour joindre relevé des notes ak diplôme à travers bio MEP yo et bien pour plateforme en ligne si la responsable ministère éducation nationale yo même yo dit yo compter sur collaboration tout acteur qui dans système éducatif là avec partenaire yo pour finaliser opération ça qui pral garantir protection données élèves éviter mauvais manipulation et puis faciliter accès données sur internet même gens avec tant coup donné sous examen baccalauréat ça qui permet bureau national examen l'état qui c'est BUNEX les même ca identifier données yo et bail certificat à relever des notes puis bien c'est notre si là que ministère l'éducation nationale et formation professionnelle yo même yo mettez de yo côté bagaille yo pral fait en ligne là elle t'a vraiment bon pour nous ta rentrer dans monde digital la majorité pays là gui là-dedans et bien c'est une façon pour nous ta sortir malgré nèg exam continue à plonger nous y a boule écraser l'école mais c'est une bonne option pour aider les même l'état rentrer dans monde digital là c'est une façon qui t'a plus bon pour nous-mêmes nous t'es capable rentrer éducation à ta plus bien évoluer c'est tout pour toute bagaille qu'on y a là et bien majorité pays yo même c'est digital yo ouais donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn première façon que ou capable faire senti travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.